Hey, salut à tous et bienvenue pour un tout nouvel épisode sur GPSK 2023 avec le Mexique. Alors, je sais pas si la vidéo sortira pile poil à 20h. Je pense qu'elle sortira plus vers 20h30. Aujourd'hui, c'était une journée assez mouvementée. En plus, j'ai très peu dormi. J'ai fait pas une nuit blanche parce que je me suis endormi à 5h du matin. Mais la nuit a été très compliquée pour moi. Je sais pas si aujourd'hui ça va être aussi compliqué. Mais oh là 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 là, j'ai vraiment très 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 peu dormi. C'est pénible, j'arrivais pas à trouver le sommeil, c'était compliqué. Ça fait 5h du mat, pour ensuite me réveiller à 8h. Super, c'était génial. Bref, réseau Israël approche du groupe terroriste. Non, non, en fait, pourquoi ça sert à rien ce qu'on... d'approcher les terroristes d'autres pays, parce que pour le moment on est nul à chier, on n'arrive même pas à casser nos propres terroristes sur notre propre sol. Merde, non non, on doit le mettre sous surveillance. Donc à quoi ça sert, voilà, ça sert à rien, c'est inutile. Bon, je voudrais bien qu'on ait un peu plus de pognon. La taxe sur la consommation d'emballage plastique est en train de baisser. La taxe carbone. On va atteindre les 5% de croissance. Donc, mettre une petite taxe carbone en plus, ça serait pas de refus. Ça nous ferait 2 milliards. Ouais, mais le carbone est en train de baisser. Enfin, on émet de moins en moins de carbone. Donc, en soi, c'est pas très intelligent de faire ça. L'impôt sur le revenu, on en est où ? On pourrait mettre la tranche haute à 40%. Ça nous ferait 1,3 milliard d'euros de plus. Donc hop, sur la gauche. Comme on est en plus de gauche. Je sais pas comment on vous le dit. Gauche. On peut se permettre de passer ce genre de loi. Il n'y a pas de souci. Ça va passer tranquillement. Ce qui est plutôt bien, c'est qu'il y a aussi les gens de droite qui sont quand même bien amis avec moi. Donc ça, c'est bien. Je suis ami avec quasi tout le monde. Donc c'est très bien, tout le monde m'apprécie, donc en soi c'est bien. La politique d'assistanat du... Bon. S'il vous plaît, espionnez-le. J'ai envie de savoir un petit peu ce qu'il fait. Et nos émissions de gaz à effet de serre diminuent. Et ça c'est plutôt une très bonne nouvelle. Donc, si on regarde de façon générale, l'IDH, pas mal. La puissance économique... Pas mal, ça serait bien qu'on dépasse la Russie. En termes de PIB par habitant, c'est pas encore la joie, mais on y travaille. La puissance militaire, on reste quand même une bonne puissance militaire. Tout qu'on est en train de se développer militairement, il va falloir qu'on ait davantage de missiles, de lance-missiles. Ça va passer par des contrats. Ah, mon chef des armées, il m'aime un peu plus, ce qui est plutôt bon signe. Je vais commander aux Américains 100 tanks de level 3. Je vais commander... Ah, il n'y a que les Russes qui proposent. Aux Américains... Je voudrais bien en avoir 50. Ça coûtera 1 milliard. 1,3 milliard. On va commander ça, et si possible, il va falloir qu'on commence à avoir un développement de notre flotte, parce qu'on n'a pas de flotte très très développée, enfin notre flotte n'est pas la plus développée. Les croiseurs, il faudrait que je demande aux États-Unis pour avoir quelques croiseurs de level 4, mais ça coûte très cher, ça coûte 1 milliard d'euros aussi, et on est à 5,52% de croissance, contrat en égo. Oui, les chars, de toute façon, je te le paie très cher. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci là-dessus. Là, on est en excédent ou pas? Non. On est à 0,02. Plutôt intéressant. La température ici, c'est bien. Là, on voit... Hop! Une belle diminution de nos émissions de gaz à effet de serre. Dans une grande partie, c'est dû notamment à la production électrique. Donc si on fait ça, si on annule du coup la production électrique via les centrales thermiques, on aura fait au moins 50% d'émissions en moins.
Donc ça, c'est plutôt pas mal. L'Afrique du Sud, où ils en sont où? Ils en sont à une augmentation. D'accord. Bon, ben ça pue. Je suis le seul à faire le travail ou... Ouais, ça me va, ça me va. La cible est dans la toile et sous observation Parfait! 24 heures sur 24. Les informations recueillies par nos agents seront mises à jour régulièrement dans le rapport de synthèse que vous pouvez dès à présent consulter aux archives. Bonne lecture. Oui. Alors, toi, Enfarouche, caractère cupide, rusé et menteur. Personnalité emblématique, personnalité peu influençable. Scandale secret, détournement de fonds. Ah, c'est pas mal! Ah, mais il a déjà des casseroles au cul, lui. Ah, ça m'étonne pas des patrons, hein. Ça m'étonne pas des patrons. Trabajo. Ok. Là-dessus, on va pas toucher. Par contre, si on prend le Texas, le Nouveau-Mexique, l'Arizona. Ah bon, la Californie, ça va être un peu chaud de prendre toute la Californie. Mais ça serait incroyable, hein. Déjà, si on prend le Texas, en termes de pétrole et de gaz, on est richissime. Après, c'est que du gaz ou du pétrole de schiste, hein. Que du gaz ou du pétrole de schiste. Mais ça m'intéresse. J'avais pas fait passer d'ailleurs le truc de pétrole et de gaz de schiste. Non, parce que j'ai fait juste... Ouais, les tests. Si ça passe au Parlement, ça va pas passer. Donc Vos c'est trop résultats budget. tard. Émission de dette, oui. Changement de régime favorable au Monténégro. Monténégro, c'est pas le plus intéressant pour nous. Contrat accepté entre moi et les États-Unis pour 50 lance-missiles qu'on les recevra cette année en octobre. Non, 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 pas en octobre, en septembre. C'est bientôt. Et les tanks, on va les recevoir quand? En novembre. On va recevoir 11, 100 Les tanks. patrons défilent actuellement dans la ville. Et c'est pas 100 tanks de Faute merde, a eu c'est lieu vraiment et le 100 projet de bons loi est tanks. passé. Ok, parfait. La taxe sur les hautes, enfin la l'IR a monté. L'impôt sur le revenu. Ici, on a quasi rien. Là-dessus, ah, il va falloir faire du logement. Ça, c'est vrai. Pas que j'oublie. Faut pas que j'oublie qu'il faut que je fasse un peu de logement. On va faire du logement. On va faire 10 000 logements réhabilités. Et ici, on va faire 5 000 logements qui vont être construits. Paf. Travaillons noir en baisse. Très bien. Ça nous fait gagner un peu de pognon. Je voudrais bien avoir le pétrole et le gaz de schiste. Juste pour vraiment être tranquille. Oh, le peuple, il déteste ça. Vous savez quoi? On va essayer de faire passer cette loi. Alors l'environnement, ils vont pas être trop être contents. Par contre, je vais demander à lui de venir immédiatement. Alors je pense pas que mon parti va être pour. Et à toi de venir parce que toi aussi tu peux faire changer les scrutins. La gauche, j'y crois pas. Par contre, la droite, ça peut se faire. Il n'y a pas un extrême droite? Merde. Parce que l'extrême droite, je crois qu'ils sont pour. Non, il n'y a pas d'extrême droite. D'ailleurs, il n'y a pas de parti d'extrême droite? Droite, droite, droite. Non. Par contre, il y a des cocos. Il n'y a pas d'extrême droite. Mais il y a la droite conservatrice. Et les cocos, ils ont combien en termes... Oh, ça va, ok. Notre agent infiltré s'est fait repérer. Putain, il est mort. Bah alors, c'est quand qu'il arrive mon rendez-vous? Ah, bonjour. Volontiers, bien noir et bien. Très bien, très bien. Avec plaisir. Est-ce que tu Voilà qui pourrais s'appelle dire oui, recevoir. s'il te plaît? Enfin, inciter favorablement à ce qu'il Vous n'êtes vise pas mal oui. non plus. Oh. Merci, ça me touche beaucoup. Non, ne t'en fais pas.
Pas de problème, c'était d'ailleurs dans mes intentions. Oh bah merci, mec, c'est super. Merci, je peux te faire confiance là-dessus. On a besoin hein, de faire passer ce genre de choses. Par contre, les animaux et les écolos, là, ils vont pas trop être très très contents. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'on a besoin un peu de gaz et de pétrole. Malgré tout, je voudrais juste savoir en fait s'il y en a davantage ou pas. Ah cool, la production a augmenté. Ça, c'est sympa, du charbon. Et d'ailleurs, ici, le gaz non conventionnel, je voudrais bien le faire payer par l'État. Et le pétrole non conventionnel, c'est déjà le cas. Bon, bah c'est parfait. La gauche, bonjour. Volontiers. Je suis sûr que tu vas me dire non. Voilà ce qui s'appelle recevoir. Mais c'est pas grave parce qu'il y a la gauche qui, et la droite qui est d'accord. Ouais, t'es quand même belle. Oui, je sais. Ah ouais. En fait, ah oui, 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 tu es un être exceptionnel. Oui, oui, mais bien sûr. Non. J'en ai rien à foutre. Pas de problème, c'était d'ailleurs dans mes intentions. Très bien, très bien, très bien. Est-ce que... Pas de problème. Oh ! Ce n'était pas dans mes intentions, mais je vais faire le maximum pour vous contenter. Rosa Tabar. Écoute-moi. Rosa Tabar. Avec ton nez, tes deux yeux, ta magnifique chevelure. Que veux-tu que je te dise d'autre que... Ouais, tu sais que tu me plais un petit peu. Le fait que... Ah, comment te l'avouer ? Le fait que tu veuilles inciter les députés à voter pour un projet de loi qui est pourtant pas très à gauche, d'approuver du coup le pétrole et le gaz de schiste, qui est extrêmement polluant, malgré le fait que ça soit pas dans tes convictions, mais que tu veuilles me faire plaisir en incitant les députés de notre propre parti à voter un truc qui n'est pas du tout le souhait de notre parti de gauche. Bah écoute, ce que je voulais te dire, c'est que je t'aime. Beaucoup. Beaucoup. Et que tu fais un merveilleux travail, Rosa. Oh oui, Rosa. Tu fais un merveilleux travail. Oh oui. Ça devient un peu bizarre, ça devient un peu cringe. Mais merci, merci, merci Rosa. Non, sérieusement, je ne saurais vous conseiller. Oui, d'ailleurs, de toute façon, tu as bien raison parce que tu as dit que tu allais tout simplement forcer un petit peu les députés de gauche de notre propre parti à voter pour cette loi sur le gaz et le pétrole. Bon, en tout cas, je n'ai même pas besoin de mon propre parti pour qu'ils votent pour, parce que déjà la Ligue démocrate républicaine vote énormément pour, donc déjà ça va passer, donc ça c'est bien. Non, merci. Mais on ne sait jamais, mieux vaut être avec plaisir prudent, voilà qui s'appelle... et avoir aussi Eduardo Sana. Vous n'êtes pas mal non plus. Qui va me dire, ouais. Oui, je sais. En fait, je suis un être exceptionnel. J'en ai eu l'intuition dès ma naissance. Oh. Par contre, t'as une tête très bizarre, hein, très écrasée. Alors. Pas de problème, c'était d'ailleurs dans mes intentions. Parfait. Et ça? Je regrette, mais nous avons. Ouais, je comprends. Mais tu sais que c'est pas si grave, étant donné que du coup tu veux me faire plaisir en votant pour la loi sur le pétrole et le gaz de schiste, donc le pétrole et le gaz non conventionnel. Et ça, ça me fait plaisir. Oh là 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 là, 54,8%, ça va passer et ça, c'est génial. L'habitat, on pourrait le rajouter en... Voilà, un petit truc écolo. Eh, je fais passer un truc dégueulasse, mais un truc écolo qui passe là, hop hop hop, je le passe. La compétition va commencer dans une semaine. Tous nos athlètes sont au top de leur forme. C'est la pour. Lutte sera sévère, mais ils feront le maximum pour ramener des médailles et représenter dignement le pays. Ah ouais, ils ont intérêt à être chauvinisme. Enfin, être chauvin. En sens Susanna de la Pèze. De la Pèze. Je suis très ému de vous rencontrer, madame la présidente. Oh. Moi aussi, Emma Watson. Oh, si tu savais. Un tel dévouement pour l'égalité des hommes et des femmes est un exemple pour tous les dirigeants de notre planète. Encore merci. Mais de rien, de rien. Si tu veux, tu peux passer
dans mon appart à Mexico. Dans ma demeure à Mexico. Pour te présenter un petit peu le contour et le paysage. Ah, ça a eu un cringe. Bref. Là-dessus, la DSL, c'est bon. Je voudrais bien le mettre à 30% la fibre. Mais ça coûte 6 milliards d'euros. Je peux pas me permettre autant d'argent là-dessus. Oh ! Prochain excédent trimestriel, 6 milliards d'euros. Ben voilà, ça fait plaisir ça de voir ça. Chômage. Taux de chômage est à 3%, ben c'est très bien. 5% si on arrondit, c'est bien. Très bon chiffre. C'est un très bon chiffre. Bah oui. Notre économie est dynamique. Oh, bah c'est excellent, c'est excellent. Bon, par contre, le problème qu'on a, c'est la baisse de la balance commerciale. Ça, c'est casse-couille. C'est-à-dire que soit on importe plus, soit on exporte moins, soit c'est les deux. Tout simplement. Et ça, c'est un problème. Ou alors on exporte plus mais moins vite que l'importe que nos importations. Ça aussi ça peut le faire. Ou alors on exporte moins. Mais plus vite. On exporte beaucoup moins que ce qu'on importe moins. Mais là ça n'aurait pas de sens. Quoique si ça peut avoir du sens. Quoique, si, ça peut avoir du sens. Mais bon, bref. Alors, l'acier aussi, il faudrait subventionner. L'acier, ça va être très important. Faire une petite subvention de 200 millions. Alors, je sais pas combien j'avais subventionné le charbon. Charbon, je sais plus combien j'avais subventionné. 200. On va faire 500. Paf. On va faire un petit coup de boost sur le charbon. Émissions de CO2 en hausse. Madame la Présidente, l'évolution récente de nos émissions marque une remontée. Sur la courbe de projection, nous sommes actuellement totalement en cohérence avec les objectifs internationaux de 2030. Félicitations, Madame la Présidente. C'est pas cool. Hein. Ok. Bon, il y a ma mère qui m'appelle. C'est bientôt l'heure. En effet, je le vois l'heure. Je suis d'accord avec ma mère. Je crois que je vais m'arrêter là. On va s'arrêter là même si la vidéo va être un peu plus courte. Tant pis, c'est pas grave. On va s'arrêter là pour cet épisode. Tant pis. Comme ça, peut-être, ça me permettra de sortir la vidéo pour 20h. Bref, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour cet épisode. Je vous remercie de m'avoir suivi. Désolé, plus courte, mais c'est pas grave. On se retrouve la fois prochaine pour un tout nouvel épisode sur JPS4 2023 avec le Mexique. Passez une très bonne soirée, une très bonne journée. Salut à tous.